Il était une fois les 24 heures du Mans. Fabuleuse histoire pour une fabuleuse course automobile. 24 heures du Mans, ce seul nom, permit à la plus grande ville du département de la Sarthe de devenir la capitale du sport mécanique. Cependant, il semblerait que le public français, depuis quelques années, se lasse un peu de ce type de compétition, c'est-à-dire la course d'endurance. Cependant, quelques constructeurs, quelques pilotes, quelques conducteurs se demandent encore si Le Mans a bien l'intérêt qu'il avait il y a quelques années. Tout a commencé il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Et l'idée germa un jour, en 1923 pour être précis, dans le cerveau de Georges Durand, qui était membre de l'Automobile Club de l'Ouest. Mandaté par l'ACO, justement, il parla à Charles Farou. Charles Farou, c'est un spécialiste de l'automobile, un journaliste, et tous les deux songent à faire une course d'endurance qui durerait deux jours et une nuit, c'est-à-dire en gros 24 heures du jamais vu. On bouscule bien un peu les règlements qui régissent à l'époque les courses d'endurance et les courses automobiles tout court. Et quelques mois plus tard, 36 voitures, dont 30 françaises, s'alignent au départ de la première ronde des 24 heures du Mans. Une ronde qui allait, à dater de ce jour, acquérir une renommée mondiale. Et c'est parti pour cette première édition. 30 voitures sur 33 seront à l'arrivée. Un pourcentage de fiabilité jamais atteint depuis cette première version des 24 heures. Les voitures ont pour nom Chonard et Walker, Bentley, La Lorraine, Amilcar, Salmson, Bugatti, Georges Ira, qui s'en souvient encore. Et pour un coup d'essai, la course fut un coup de maître. Ce fut très pluvieux, beaucoup de pluie, de boue. Et le plateau n'était pas très fourni à l'époque, ce qui fait que ça n'a pas causé trop de problèmes. Mais on a pu, comme c'était déjà la volonté des organisateurs, tester ainsi pendant 4 heures les fameuses capotes qui équipaient certaines voitures et qui, au regard du règlement, devaient rouler pendant 4 heures de suite avec cette capote en position de fonctionnement. Et les constructeurs français avaient compris déjà l'importance d'être présents aux 24 heures pour promouvoir leurs voitures, et on avait les marques célèbres de l'époque qui se battaient déjà pour gagner, et qui ont gagné d'ailleurs. Cette voiture était remarquable déjà pour son époque par sa tentative d'aérodynamique qui fait qu'on l'a appelée un tank, parce qu'elle avait effectivement une recherche assez particulière qui avait mené ses constructeurs à une carrosserie un peu anguleuse, un peu austère, mais très efficace, puisque pour une toute petite cylindrée, cette voiture atteignait avec un compresseur 178 km/h, ce qui était quand même assez extraordinaire en 1925. Et cette firme Chonard avait gagné et remporté la première course des 24 heures en 1923 déjà. Un circuit existe dans la Sarthe. Il emprunte le triangle Le Mans, Saint-Calais, La Ferté-Bernard. Pour la première course, on pénètre dans la ville par la banlieue est jusqu'à la célèbre épingle de Pontlieu. En cette génération des années 20, on va modifier encore et encore le tracé des 24 heures. C'était une grande fête pour Le Mans, surtout qu'à l'époque, le circuit, on en a le dessin derrière nous, rentrait dans la ville avec cette fameuse épingle de Pontlieu, qui existe encore à l'heure actuelle d'ailleurs, et qui permettait ainsi à beaucoup des populations habitant la périphérie du Mans de voir la course pratiquement à leur pas de porte. Nous en sommes à l'heure actuelle à la 9e configuration de tracé. Effectivement, le problème a été de s'écarter un petit peu des constructions, et petit à petit on a réduit la longueur également du circuit, qui est passé de 17 km à 13 km, qui est encore à peu près la longueur aujourd'hui. Les cheveux des femmes se portent courts, les robes aussi, au-dessus du genou. On danse le Charleston et la gentry de l'époque se retrouve au Mans pour voir à la fin des années 20 la première version de voiture de course à traction avant. Pour applaudir la domination des Bentley et la victoire de Barato Birkin à 118 km/h de moyenne. C'est sous cette pendule, lorsque s'abaisse le drapeau à damier noir et blanc, que s'arrête la course. Mais sait-on combien de fois les pilotes ont dû changer de vitesse pendant 24 heures? Connaît-on exactement la pureté de la trajectoire qu'ils doivent prendre pour chaque virage que comportent les 14 km du circuit des 24 heures? Écoutons Marcel Mignot, l'instructeur de ce circuit. Ça
Courir, cela n'est rien, mais conduire, à conduire, changer plusieurs milliers de fois de vitesse, freiner le plus tard possible, trouver la trajectoire idéale, vaincre le tremblement du pied droit sur l'accélérateur au moment du départ, non, la conduite rapide ne s'improvise pas. C'est comme la leçon d'amour dans un parc, la leçon de pilotage sur un circuit frôle la perfection. Devant les stands, les régimes sont montés à fond et jusqu'en cinquième. Maintenant qu'il y a dans la courbe d'un lop une chicane, il faut descendre un rapport, bien entendu, pour la négocier. Les aides du Tartre Rouge qui suivent après se négocient avec un rapport descendu suite à un freinage. Et il faut de nouveau redescendre un rapport pour négocier le droit du Tartre Rouge qui se négocie autour de 120-130 km/h. Ce virage précède la longue ligne droite des Hunaudière. Nous montons les rapports à fond jusqu'au rapport de 5e et avec certaines voitures, nous atteignons la vitesse maxi dès l'endroit dit des Hunaudière, là où se situent les restaurants. Et nous restons en pleine charge à fond d'accélération jusqu'au freinage de Mulsanne et nous négocions la courbe des Hunaudière, bien entendu, à fond. Si nous nous situons à 350-360, ça sera à cette vitesse sans lever le pied. Le freinage qui précède Mulsanne est un freinage important puisque nous arrivons à la vitesse maximum et qu'il faut de 300 ou 350 mètres en fonction de l'état des freins réduire la vitesse de 350-360 à 70 km/h. Après ce virage de Mulsanne, nous avons un petit coup d'œil à jeter au panneau de piège puisque la signalisation est donnée à cet endroit depuis le stand par une équipe et il faut de nouveau monter les rapports, la première petite courbe qui suit est sans problème. L'autre un peu plus loin, en fonction de la vitesse plus importante, demande d'être négocié avec un peu plus de prudence, surtout s'il y a des dépassements et du trafic. Après, de nouveau, nous avons affaire à un freinage important. Nous sommes déjà au-delà de 300 km/h et il faut redescendre, bien entendu, de vitesse pour négocier le premier droite avant Indianapolis. Ce sont les aides d'Indianapolis. Le virage d'Indianapolis qui est très relevé, d'où son nom, se négocie sur un rapport de troisième. À sa sortie, un autre rapport doit être monté pour être de nouveau redescendu au freinage du droite d'arnage. Ce virage est négocié en première et la voiture reprend son accélération. Nous avons le temps de remonter jusqu'en cinquième avant le premier droite pour atteindre la courbe Porsche qui est le début de la nouvelle portion qui est très sinueuse et qui précède juste la zone des stands. Alors cette nouvelle portion est très technique, elle se négocie sur un rapport de quatrième, il faut tenir la voiture en équilibre, il y a des changements d'appui très importants sur le même rapport. À la sortie de ce premier droite du Porsche, il faut rapidement placer la voiture pour négocier le double gauche qui se situe sur un pont et qui enjambe là la départementale qui traverse le circuit. Et juste après la sortie de ce double gauche, il faut restabiliser la voiture bien en ligne sur le milieu de la piste pour négocier ce long droite qui va précéder juste un gauche qui est en contre de verre, lequel est assez délicat étant donné que nous n'avons pas d'appui sur le côté extérieur et que si la voiture n'est pas en équilibre, elle peut nous échapper très facilement, brutalement même. Après, de nouveau, il y a une accélération sur un pif-paf et nous arrivons au double ralentisseur. Le premier sur un freinage qui se négocie en troisième et le deuxième juste avant les stands, seconde ou première suivant les boîtes. Et de nouveau, là, nous arrivons au stand, à l'endroit où se situe l'arrivée. Ici, vous le présentez le drapeau à damier en fin de course. C'est ici que Didier Pironi apprit à négocier un virage. C'est là que l'on apprit encore à négocier la renommée d'un circuit, la réputation d'une ville, Le Mans. Et devant la finesse du pilotage, même les lapins du Tertre Rouge hésitent à traverser la piste. École d'endurance et de précision, c'est enfin cela, les 24 heures. Année de joie, année de peine, année de soleil et année de sang, c'est ici que se produisit l'un des plus grands accidents de l'histoire des 24 heures, celui survenu en 1955. Mais compter ces drames, c'est aussi compter l'histoire de la course. La course d'endurance a ses joies, elle a aussi ses peines. Les 24 heures du Mans ont connu la liesse et parfois les drames. Les Français auront payé pour leur part un lourd tribut à la course et aux plus français du circuit. André Guibert, Marius Métivier sur Amilcar inaugurent en quelque sorte une liste trop longue d'accidents mortels. Ce sont les années 20, mais il n'y a pas d'âge ni d'époque pour mourir en compétition. Jean Larivière sur Ferrari, Louis Herry, le Nantais sur Panhard, Lucky Kastner, l'Américain. Lucky, son prénom veut dire chanceux en anglais. Ironie du sort et de sa Maserati qui explosera en 65. Enfin, Levegue, c'est un pseudonyme, et Mike Hawthorne, dont les noms résonnent à jamais dans la mémoire de la plus grande tragédie des 24 heures. Hawthorne,
qui avait la réputation d'être un casse-cou et qui prenait parfois des risques, a voulu s'arrêter pour ravitailler. Il a entrepris alors de dépasser l'ostinelle de McLean. Et il s'est donc, il l'a dépassé, il s'est rabattu. Malheureusement, derrière, arrivait l'évêque qui était suivi de Fangio. Et l'évêque n'a rien pu faire. Il est monté sur l'arrière de l'ostinelle, s'est envolé sur les fascines, allongé les fascines, avant de retomber sur la piste et de se consumer entièrement. C'est l'horreur. Dans la foule et les tribunes, le moteur de la Mercedes, propulsé comme une fusée, tue 80 personnes en blesse d'innombrables autres. La journée a mal commencé. L'anglais Taylor se blesse. Bayol se retourne avec sa Gordini. Et Fangio, le grand Fangio, mal parti, bat 10 fois le record du tour pour remonter son retard. Il échappe à l'accident miraculeusement et la course continue. Moi, je n'ai pu faire que d'apporter du secours à tous ces gens-là, puisqu'on a été obligé de les emmener par camion. Vous savez, c'était pénible, il y en avait, ça saignait partout. Il y avait des gens vraiment qui avaient été vraiment démolis. Alors, on se demande, par les éclats des voitures, tout ce qui a sauté, tout ça. Fangio, cette fois, est en tête, tandis que le drame se répercute dans le monde entier. Mike Hawthorne, l'anglais, brutal, imperturbable, selon des témoins qui ne se privent pas de lui faire porter l'entière responsabilité de l'accident, se bat comme un diable pour attraper Fangio. Mercedes alors décide de retirer ses voitures et le grand pilote blond, qui se promène avec un caméléon sur l'épaule, emporte sur sa Jaguar la victoire au goût de cendre. J'ai eu la surprise d'apprendre que la firme de Stuttgart décidé de retirer ses voitures. C'est une décision que j'ai plus ou moins bien comprise, que j'ai mal comprise même, parce qu'en fait, la firme allemande n'avait pas de responsabilité dans l'accident. Ils paieront chèrement les 24 heures, les frères Bianchi, Robbie Weber, André Haller, Jean-Louis Lafosse, Joe Gardner et le barbu suédois Joachim Bonnier, dont la Lola, une voiture au nom de femme, se fracassera dans les arbres. Bonnier s'est tué entre Mulsanne et Indianapolis. Il est sorti sur la gauche. Ça devait être son premier relais. Il avait une Lola, une 3 litres avec un moteur Cosworth. Et il y a eu une Ferrari, il a été peut-être gêné, peut-être pas gêné. Il est sorti, il a sauté par-dessus les rails et il a coupé les sapins à 5-6 mètres de hauteur. Cole décapité, Wolf brûlé vif, Pescarolo sauvé des flammes, le sait bien, rien ne sert de mourir. Et puis un beau jour, sur l'asphalte gris, la couleur amarante de la Scuderia Ferrari fit son apparition. Et à dater de ce jour, les prestigieuses voitures italiennes furent associées à la victoire. Il piaffait depuis longtemps le cheval cabré de Maranello, son propriétaire Enzo Ferrari, le sorcier, le commendator, le lâche, avec toute la cavalerie des chevaux de feu sur le circuit du Mans. Cette fois, le rouge émille, et dans cette marée écarlate, incongrue, le vert anglais de la Rover à turbine s'insinue pour une course expérimentale. Sur leur emplacement, à 16h01, dans un rond portant le numéro de leur voiture, les pilotes sont prêts. C'est le silence absolu de 200 000 personnes pour le fameux départ en épi tant décrié plus tard. Le départ en épi, en réalité, a été abandonné pour des raisons de sécurité. En réalité, c'était une part de la tradition. On tournait une page, un grand pan de la tradition des 24 heures s'est trouvé aboli le jour où on a interdit d'avoir les voitures rangées devant les stands avec le pilote de l'autre côté de la piste qui courait à travers la piste, sautait dans son auto, donnait son coup de démarreur, enclenchait et puis démarrait. C'était un spectacle phénoménal, particulièrement attrayant. Je me rappelle bien, le Suisse Bernet, une fois, est parti en mettant trop de gaz. La voiture a fait un tête-à-queue au milieu du peloton.
tout ça s'était bien passé. Je me rappelle aussi une Porsche démarrant en laissant 30 mètres de gomme comme deux rails, tellement l'accélération. C'était le pauvre Stommelen qui avait fait ça sous mes yeux. C'était que j'ai fait un spectacle inoubliable. Mais pour une autre anecdote, si vous voulez, je me rappelle aussi l'année où Mercedes avait couru avec Fangio. Fangio sautant dans la voiture parce qu'il y avait des portières, mais il ne les ouvrait pas pour gagner du temps. Il sautait à l'intérieur de la voiture, qui était une voiture, un cabriolet, si vous voulez. Et en sautant, le levier de vitesse s'était emmanché dans son pantalon. Et quand il a voulu mettre la vitesse, il ne pouvait pas parce qu'il y avait le levier de vitesse dans sa jambe de pantalon. Les hussards de Ferrari sont là, à leur tête, Guichet de Marseille, Vaccarella de Sicile, mais à côté de la sagesse des demi-dieux, la folie s'empare des hommes. On veut courir à tout prix, on paye des sommes colossales pour être concurrent, parfois même on triche pour être qualifié. Si vigilants que puissent être les commissaires, il est très difficile d'identifier un pilote tout harnaché avec son casque, ses gants. Il suffit qu'il mette la combinaison d'un copain. Je dirais que je crois que ça s'est fait. Et je crois même que certains peuvent le faire en le monnayant. Comme si on pouvait acheter un chauffeur pour se qualifier. Mais de toute façon, ça ne trompe personne dans la mesure où le verdict, c'est la course elle-même. Les années 60 au Mans, on n'entend plus que la musique pointue, métallique, suraiguë des Ferrari. Tous les autres, devant cette cavalerie ruse, feinte, risque tout quelquefois. On se croirait revenu au bon vieux temps du bricolage, de la resquille, au bon vieux temps de Louis Rosier. C'était le Mérès français qui avait fait deuxième en 49. Quand Rosier avait gagné et qu'ils avaient changé une rampe de culbuteur sur un autre moteur qui était derrière le parc de ravitaillement, c'est un journaliste qui me l'a raconté, c'est pas moi qui... Hein. Alors, il a changé sa rampe de culbuteur, on l'a passé dans un chiffon, dans un torchon, et le Mérès l'a su, et pour que ce soit étouffé, Rosier aurait donné 500 000 anciens francs de cette époque. Les centurions de Ferrari se couvrent de lauriers. Mike Parks, Willy Mérès, les frères Rodriguez qui se tueront tous les deux, l'un après l'autre. Ricardo le plus jeune, Pedro le plus vieux, à l'allure de matador adulé par les foules. Olivier Jandebien, le belge qui gagnera 4 fois. Philly l'américain, Paul Frère le journaliste. Et Fernand Tavano, l'enfant du Mans, chéri du public sartois. À côté de ces héros couverts de rouge, la meute des adversaires ne peut rien. Et en 1963, comble de provocation, Scarfiotti, Bandini remportent la victoire comme des vrais Romains. Mais la course, ce n'est pas seulement la vitesse et les exploits des pilotes fameux en général qui font les 24 heures du Mans, c'est aussi et surtout la technique, et c'est les moteurs, et ce sont les roues, et ce sont les pneus, ce sont les freins, et c'est bien entendu la sécurité et les progrès pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Lieu commun où la palissade, les 24 heures comme le Spoutnik ont apporté au progrès scientifique leur contribution. De l'auto bricolée au fond d'un poulailler détoré Bugatti à la flotte orgueilleuse du docteur Ferdinand Porsche, 60 ans de technologie nous contemplent. Freins, phares, pneus, injections. Pour un tel inventaire, il faudrait un Prévert de la piste. Il y a eu bien sûr les papiers des capotes. Les voitures devaient être munies d'une capote. Et là, il faisait 4-5 tours avec la capote, et après il pouvait la baisser. Il baissait la capote, et ça c'était assez amusant quoi, à l'époque. Puis les phares anti-brouillard, etc., puis des phares beaucoup plus puissants. Ça, à ce point de vue-là, il y avait eu un gros progrès également, parce que ça roulait les 24 heures, il y avait toute la nuit, bien sûr. Hein. Les 24
4 apporte chaque année plusieurs technologies nouvelles et que ces technologies sont faites par des constructeurs différents, aussi bien français, européens qu'outre-Atlantique. Par exemple, nous avons le frein à disque. Tout le monde connaît des freins à disque maintenant. Le frein à disque a fait son apparition en 1955 sur les Citroën DS. Eh bien, le frein à disque avait été déjà expérimenté en 1953 par Jaguar. Tout le monde maintenant connaît les lampes à iode, dites à iode, halogènes. Eh bien, ces lampes aussi ont été testées voilà bien longtemps sur ce circuit des 24 heures. Et aussi les stands de ravitaillement. Et l'on voit d'ailleurs très bien les tuyauteries qui amènent l'essence pour ces voitures de course. Mais cette consommation, en l'espace de quelques années, c'est-à-dire en 1984, en particulier avec l'injection électronique, d'ailleurs c'était une McLaren avec le moteur Porsche et Alain Prost qui était l'un des deux pilotes, eh bien cette voiture a consommé beaucoup moins que les années précédentes, c'est-à-dire qu'on est arrivé à des prodiges et que c'est maintenant les voitures qui sortent actuellement pour Monsieur Tout-le-Monde, elles aussi ont des gestions de l'alternateur et des gestions électroniques, si vous voulez, qui font que ces voitures consomment de moins en moins. Bien sûr, il y a aussi le turbo, tout le monde connaît le turbo-compresseur. C'est aussi un moyen de faire aller plus vite la voiture et de moins consommer. Mais les jeux du cirque attirent toujours la foule et dans le bon sens, pour une fois, l'ordre, grâce à la police et aux gendarmes, règne sur le circuit. Le rôle de la gendarmerie pour les 24 heures du Mans auto a été défini d'une manière précise en 1961 par le préfet de la Sarthe. Cette mission est quadruple. La première, assurer la sécurité aux abords même du circuit. La deuxième, assurer la fluidité de la circulation au niveau des extérieurs du Mans. La troisième, assurer des évacuations sanitaires au moyen des hélicoptères et des escortes d'ambulance. Et enfin, la quatrième, assurer la sécurité sur l'aérodrome de Le Mans-Arnage. L'évolution du circuit a fait qu'un certain nombre d'aménagements ont été faits sur la ligne de départ, d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez remarquer sur cette photo qu'il y a de très 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 nombreux gendarmes qui autrefois formaient un véritable mur humain le long de la ligne de départ et on les retrouvait à la ligne d'arrivée entourant le véhicule du vainqueur. Après la course, les demi-dieux descendent de l'Olympe et de leur bolide. La guerre de Troie n'aura pas lieu. La fascination de la course est telle qu'à côté des moyens officiels, des hommes de bonne volonté se bousculent pour que la course soit chaque fois un succès. Rendons grâce aux humbles, aux obscurs, sans qui probablement les 24 heures ne seraient pas ce qu'elles sont. Tout le monde a l'air d'être étonné des chiffres que représente en fait toute cette armée de bénévoles sur le circuit. C'est encore plus vrai bien sûr dans des épreuves comme les épreuves de longue durée. Mais il faut savoir que, bon an, mal an, sur le circuit, il y a 2 à 3000 personnes qui sont entièrement bénévoles et qui apportent leur concours à l'organisation. Ça part du directeur de course, en passant par les commissaires sportifs, les médecins, les secouristes et nos commissaires de circuit qui sont plus d'un millier autour de la piste. Les commissaires de stand également. Toutes ces personnes-là suivent des stages chaque année de formation, de recyclage. Et si l'on additionnait le nombre d'épreuves auxquelles ils participent au cours de l'année, on serait assez étonné puisque certains arrivent à apporter leur concours à plus de 20 à 30 épreuves dans l'année. Et la presse, Coco, ah la presse, chaque fois décriée, chaque fois espérée. Il y a ici des journalistes du monde entier, est-ce qu'il y en a qui sont plus agréables que d'autres ? Oui, tout à fait. C'est vrai, mais pas précisément par pays d'ailleurs. Hein. Il y a des bons Français, il y a des bons... tous les pays. Vous retrouvez chaque année les mêmes personnes ? Oui, il y a beaucoup de journalistes qui reviennent depuis des années, quelquefois depuis 25 ans. Si la France blasée ne saisit pas toujours la réputation du circuit de la Sarthe, le monde entier, lui, tient à venir là, soit pour courir, soit pour y être remarqué.
Les 24 heures du Mans sont tellement devenues internationales que des vedettes internationales fréquentent les 24 heures. Sportifs, gens de spectacle, hommes politiques ont hanté le circuit. Des princes, des ministres ont donné le départ jusqu'à Hollywood qui a détaché toute une équipe fantastique pour tourner un film intitulé en français Le Mans avec Steve McQueen. Il avait une idée, c'était en fait de courir les 24 heures. Malheureusement, comme il était la principale vedette du film, les assureurs ont demandé une police un peu chère pour assurer non pas simplement le film, mais assurer en plus la principale vedette dans la course. Mais Steve McQueen est resté au Mans longtemps. Il a eu une bonne notoriété dans la Sarthe. Il habitait sur le circuit, sa caravane était là. Les mauvaises langues ou les bonnes langues prétendaient qu'on était forcé d'ouvrir les portes du circuit souvent la nuit. Ceci étant, il a beaucoup travaillé sur les circuits et je dois dire qu'il aimait le Mans, parce que pour lui, c'était quelque chose de différent du circuit américain. C'était pas simplement les jeux du cirque. Il m'a dit, on sent au Mans monter comme une espèce de consensus général dans toute la population et dans tout le pays. Et ici, les gens qui courent sont des héros, ce ne sont pas simplement des gladiateurs, comme aux États-Unis. Newman, what do you think about your car for a moment, please? Oh. You have run with it? Yes, we run. Daytona. All is okay. Everything under control. Okay. 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 Thank you. Après McQueen, Paul Newman, venu courir ici sur une Porsche de l'écurie Kremer. Oui, Le Mans attire décidément le grand écran. Johnny Hallyday, Belmondo et Mireille Dard. C'est un de mes amis qui pilote une rondo et si vous voulez, j'avais très envie de travailler avec lui. Monstre sacré au volant de monstre tout court. J'ai deux points pour moi, c'est que mon oncle a déjà gagné ici. Et le deuxième, je ne sais pas ce que c'est d'être avec des amis et des bons pilotes. Jean-Louis Trintignant trouve que les 24 heures ne sont pas difficiles, il aura l'occasion de déchanter. Pas tellement impressionné. J'ai essayé la voiture et ça m'a pas tellement. Je trouve pas ça tellement difficile. Jean-Louis Trintignant était couché dans une chambre au premier et à 7h, 7-8h du matin, il était en train de chronométrer. Son neveu, et puis d'un seul coup, il descend à toute vitesse en pyjama, il me dit, oh, Maurice, je vois plus le Jean-Louis. Bon, je dis, écoute, je vais téléphoner à la CEO, puis je tombe sur M. Moreau. Il m'a dit, bougez pas, je vais vous passer Jean-Louis Trintignant. Alors Jean-Louis Trintignant, qui venait juste de se remettre de sa cavalcade sur le... Parce qu'à gauche, à droite, il s'était payé toutes les rails. Ils y viendront tous, à Canossa-le-Mans, tous les champions du monde pilotent de Grand Prix sur ce circuit qu'ils critiquent et qui les fascine en même temps. Les Ascari, Fangio, Graham Hill, Jackie Stewart et Jim Clark, car sur l'asphalte, entre la politique et le showbiz, règne l'éclat du Star System. Cette DB Panhard aux couleurs bleu de France et aux initiales DB comme Dutch et Bonnet symbolise un petit peu ce que les grands amateurs doués représentaient à une certaine époque au Mans. Quand on était amateur et doué, on pouvait encore courir. Ça a été le cas des individuels, ça a été le cas des écuries privées, mais on va vite passer de l'atelier à l'usine. Les années se suivent entre Mulsanne et le chemin au bœuf, mais si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, les amateurs doués, les écuries privées, les passionnés se défendent encore dans les années 60, avec ici et là quelques individualistes aventuriers du tertre rouge. Pour eux, on accepte même au départ des voitures dites de tourisme, celles que l'on peut voir dans la rue chaque jour. Pour la première fois, donc, l'ACO avait engagé des voitures de tourisme spécial, qui étaient des voitures de Monsieur Tout-le-Monde, des voitures de série, mais bien sûr légèrement modifiées, tant au point de vue de la carrosserie que des moteurs, des pneumatiques. C'était plutôt, je dirais, des prototypes plutôt que des voitures un petit peu de Monsieur Tout-le-Monde. Mais il faut admettre quand même que ces voitures roulaient quand même nettement moins vite que les prototypes, ce qui avait quand même certains dangers pour ceux qui allaient beaucoup plus vite.
La plus célèbre équipe de ces petits de la course est la fameuse NART, North American Racing Team, que dirige de main de maître Luigi Chinetti, jusqu'à ces dames qui ne sont plus seulement au balcon des ravitaillements, mais derrière le volant à taquiner, messieurs les hommes. Bon, ma première participation, c'était en 1974. C'était d'abord un concours de circonstances, puisque j'ai toujours voulu faire les 24 heures du Mans, puisque vous savez, je suis du Mans. J'allais voir ça quand j'étais petite, je voyais tous les 24 heures, je me disais, de toute façon, je serais capable un jour de le faire. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'école de pilotage du Bugatti et de commencer en 72 avec les MEP. Et à la fin de mon année 73, comme j'avais eu de bons résultats et que j'étais championne de France des rallyes, j'ai fait deux ou trois demandes pour rentrer dans des teams un peu plus officiels et je suis rentrée chez BP. Et là, bon, là j'ai eu la chance de pouvoir refaire les 24 heures du Mans puisque BP était très bien introduit au Mans. J'avoue que c'était quand même très très impressionnant, surtout les premiers tours. Alors les premiers tours, quand vous partez, vous vous demandez où vous êtes là, se retrouver seul sur la ligne droite et voir au début les voitures qui vous passent à des vitesses faramineuses parce que vous n'osez pas prendre le maximum de vitesse, c'est assez impressionnant. Puis au bout d'une dizaine de tours, bah, finalement vous êtes dans le bain et puis bah, ça s'est bien passé. La partie cette fois est trop importante pour laisser s'amuser seules les belles individualités et les amazones fouilleuses. Spoiler au vent, les armadas officielles verrouillent la course, le commerce, la finance, les sponsors vont imposer leur pression dans le sport mécanique comme des chefs d'entreprise. Et dans ce domaine, entre autres voitures, l'empereur Porsche décidera sa loi. Le sponsoring n'est pas du tout pour moi de la publicité. Ça permet de valoriser l'image de marque d'une société en compétition, dans le mouvement, en situation. Et il est évident qu'il y a un certain nombre de différences à faire. Il est évident que le sponsor qui arrive au dernier moment et qui a la faveur d'une course, quand bien même cette course serait aussi prestigieuse que les 24 heures du Mans, et met un certain nombre de belles inventions que les autocollants, eh bien, ça n'est pas tout à fait comme un sponsor qui, depuis un certain nombre d'années, suit avec attention un jeune constructeur et à favoriser l'éclosion et la réelle construction performante de voitures qui sont susceptibles de tenir, dans certains cas, la dragée haute à des constructeurs mondiaux. Un sponsor, je crois que c'est à la fois, peut-être un banquier, mais c'est à la fois un confesseur, ça peut être en tout cas obligatoirement un psychologue. Et c'est un mélange de papa gâteau, de Père Noël, mais qui aussi peut devenir Père Fouettard. Mais tout ce bruit fait autour du monde ne pouvait laisser indifférent les États-Unis. Après avoir pris son temps, elle en a un peu l'habitude. Un beau jour, sur le circuit de la Sarthe, débarque l'Amérique. Le Mans, au fil des ans, acquiert une telle réputation qu'il ne peut laisser indifférent le nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique. Et d'abord, le géant automobile qui sommeille à Détroit et qui s'appelle Ford. Ford, qui va déléguer en France pour courir presque timidement un grand Texan qui se promène dans les stands en boots et en jeans avec un incroyable chapeau de cow-boy, Carroll Shelby. Avec une vieille coque de cabriolet assez Bristol, il monte un gros moteur de 4,7 litres de cylindrée, renforce les suspensions et donne la vie à un monstre qui sera baptisé Cobra. Mais là, c'est Cobra, au Mans, jamais ne parviendra à remettre en cause l'hégémonie de Ferrari. Piqué au vif, la firme de Détroit débarque en force en 1964 avec un nouveau modèle, la GT40, emmenée par Richie Ginter et le pilote aux lunettes d'écaille, Maston Gregory. L'arrivée des Ford au Mans, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'ACO. Les 24 heures étaient reparties bien, correctement, après 55, mais véritablement, cette espèce de grande bagarre entre Ferrari et Ford, entre le vieux continent et l'Amérique, ça nous a permis de prendre une dimension, ça a permis à l'ACO et aux 24 heures de prendre une dimension internationale absolument extraordinaire. Et en 66, 8 GT40 s'alignent au départ. C'est l'invincible armada et la puissance américaine. Dès le départ, Ford s'octroie les premières places et ne les quittera plus. Sous une pluie battante, les deux Ford de tête franchissent à la même hauteur la ligne d'arrivée. Bruce McLaren, Chris Amon, Ken Miles et Denny Hulm sont les pilotes vainqueurs. Dans le stand américain, le cowboy Carroll Shelby, le patron, savoure sa victoire et sa revanche sur la vieille Europe.
Le président de la CO à l'époque, c'était M. Lelièvre, et il a annoncé très rapidement, un beau matin, que M. Henry Ford II serait président d'honneur des 24 heures. Ce qui n'a pas plu à tout le monde, je me trouvais dans mon bureau pour me recevoir un coup de téléphone du secrétaire général de la Chambre syndicale des constructeurs automobiles en France, c'est pas n'importe qui, et qui, bien entendu, s'est immédiatement plaint qu'on invite un constructeur étranger à présider la plus grande course du monde. Stirling Moss et Ferrari, humiliés, veulent prendre leur revanche, mais ni Scarfiotti, ni Pedro Rodriguez, l'enfant chéri du public manceau, ne pourront se défaire de Foyt, un pilote de stock car américain, ni surtout de Dan Gurney, grand pilote par le talent et par la taille, qui ressemble à s'y méprendre à l'acteur Gary Cooper. Les Porsche ont, elles aussi, battu, malgré Jochen Rindt, malgré Joseph Siffert. En tête, à la seconde heure, la Ford la conservera jusqu'à l'arrivée dans le cockpit Dan Gurney et Anthony Joseph Foyt. Foyt, c'était une espèce d'armoire à glace. Beltoise n'était pas content. Il n'aime pas les courses d'endurance parce qu'il trouve que c'est trop long et trop fatigant. Et il ne s'était pas gêné pour le dire. Alors, j'ai été, moi, tout à fait dans l'admiration quand j'ai aperçu Foyt à l'arrivée, qui envoyait de grandes bourrades dans le dos de Henry Ford II, à la manière très américaine, et qui avait vraiment pas l'air plus fatigué que quelqu'un qui sort d'une partie sympathique. Après quoi, sous la direction de fer de John Wire, Ford gagnera pendant 4 années consécutives les 24 heures. Ferrari, Alfa Romeo, Bentley l'avaient fait avant eux. Les Américains s'inscrivent à leur tour au livre des records du circuit de la Sarthe. En 1969, pour la 4e fois, ils font gagner leur couleur et permettent à un jeune pilote belge de remporter une première victoire. On va reparler de lui, il s'appelle Jackie Hicks. Jaguar, Ferrari, Porsche, Ford, est-ce que nous allions voir éternellement des voitures de marque étrangère gagner sur ce circuit de la Sarthe? Certes non, les petits Français se sont mis dans la course avec Matra, Renault, WM, Peugeot, une des voitures les plus rapides, elle atteint près de 400 km/h sur la ligne droite des Hinaudières, et enfin la voiture du regretté Jean Rondeau, ces 4 marques s'illustrèrent aussi sur le circuit des 24 heures. Et la boucle est bouclée. Les 24 heures sont nées au Mans avec des premières victoires françaises. Elles retournent au Mans. Le Bleu de France pointe le bout de ses capots. Matra avec Sévère, Jabouille, Larousse et la semelle de plomb Jean-Pierre Jarier. Le Mans et la Sarthe qui retrouvent la Fouria française Yvon de leur obol. Chaque année, la Fédération sportive nationale et internationale exigeait que l'on installe des protections, qui étaient d'ailleurs normales, mais parfois qui pouvaient paraître excessives. Nous nous sommes très vite rendus compte que la CO seule n'était pas capable de financer toutes ces opérations et qu'il fallait envisager une structure différente. Et nous avons pensé à ce moment-là que la création d'un syndicat mixte, dit des 24 heures, était probablement la seule formule capable de résoudre le problème. Nous avons déjà refait des améliorations à la courbe d'Allop l'année dernière. Nous en avons à faire et que nous commençons cette année sur le Bugatti. Et surtout cette année, comme gros morceau, nous refaisons la ligne droite des Hinaudières, dont vous savez que le sol était contesté par certains pilotes qui prétendaient qu'il n'était pas tout à fait conforme. La brèche est ouverte dans l'arène et comme les taureaux à la corrida, Renault, Ligier, Peugeot, Rondeau après Matra entrent dans la danse. Leurs pilotes, Pironi, Josso, ont bien mérité de leurs aînés Chiron, Béra et Guichet. Et l'on voit gagner alors ces va-nu-pieds superbes. Je faisais équipe avec Pescarolo sur l'une des Ligier et à peu près à la tombée de la nuit, j'abordais la ligne droite des Naudières et devant moi, au loin, j'avais aperçu une masse grise. Bon, ça se passe très vite puisqu'à ce moment-là, on tournait à 330-340. Et à 300 mètres, j'ai réalisé que c'était le capot de la voiture d'Alain de Cadenet qui était resté au milieu de la chaussée. Donc là, miraculeusement, la voiture pour moi, sur un gros freinage, est restée en ligne droite et j'ai fait exploser le capot. Bon là, de toute façon, j'étais à 330-340, tout s'est bien passé. J'en étais à 240-250, c'était exactement pareil. Pour moi, je dis au Mans, il faut absolument conserver cette ligne droite car sur un plan technique, c'est le seul endroit au monde
où on peut faire progresser la technique automobile. C'est pas étonnant que à chaque fois qu'il y a des incidents de course, ça se passe au bout de la ligne droite d'une Audière, sur la boîte, sur les moteurs, sur le frein. Les Français ont beaucoup brillé aux 24 heures du Mans, puisqu'Alpine Renault a gagné d'une façon ô combien brillante face au colosse allemand Porsche. Et c'est assez fabuleux de voir, je discutais récemment avec Jean-Pierre Jabouille, l'impact et ce que ça représente pour eux d'avoir gagné les 24 heures du Mans. Je crois que c'est plus important même pour eux que d'avoir gagné X Grand Prix de Formule 1, parce que c'est une légende, c'est quelque chose qui est très fort. La France est de retour, elle aiguillonne les autres quand elle ne les irrite pas. On voit revenir la malice, l'astuce, comme au temps où les moteurs avaient de la voix et où l'on savait faire de la course en ce temps-là. Claude Laurent, c'était avec une Porsche 911. Il s'est trouvé un peu à court d'essence. Sa voiture a déjaugé, s'est arrêtée à hauteur de Maison-Blanche, disons, grosso modo. Et bien sûr, pas de ressources tant qu'à l'essence, puisqu'il n'est pas permis d'en emporter avec soi. Mais le règlement prévoit qu'on peut emmener l'outillage dont on peut avoir besoin à bord. Et Claude Laurent a simplement a ouvert le bouchon et il a vidé l'ensemble de sa trousse à outils, c'est-à-dire les clés, etc., dans le réservoir, ce qui a donc fait monter le niveau de l'essence un petit peu et qui a permis de remettre en route pour revenir jusqu'au stand. Le taureau allemand est toujours là, il va imposer sa domination sur le podium. 1988, les alliés se rebiffent, Jaguar, Mercedes, Mazda vont tenter de battre demain le Kaiser Porsche, mais demain est une autre histoire. Et dans quelques instants, nous irons sur...